Amen.
Maria perpetua est et fera felicitas, si quod novum hominum iudices sentiamus autorum, per dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, et omnia saecula saeculorum. Lecture du livre du prophète Nadel. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré. Tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre, beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude, brillons comme les étoiles pour toujours et à jamais. Verbum Domini. Deo gratias. Oh.
Dans l'ancienne alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout devant le lieu saint pour le service liturgique et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique pardon, par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Oh.
Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le ciel s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Après une grande détresse. Oui, frères et sœurs, après une grande détresse, qu'elle soit personnelle, familiale, nationale, il n'est pas rare, d'avoir le sentiment que tout s'effondre autour de nous et même en nous. C'est alors que, d'une manière ou d'une autre, le soleil s'obscurcit, la lune ne brille plus, les étoiles se mettent à tomber du ciel. Quand les bombes laissent plus derrière elles de mort et désolation, famine, souffrance et terreur, à Gaza, au Liban, en Ukraine et dans plein d'autres endroits de la planète, tuant sans distinction civiles et militaires. Oui, frères et sœurs, le soleil s'obscurcit. La lune ne brille plus, les étoiles se mettent à tomber du ciel quand incendies, inondations et tremblements de terre détruisent tout sur leur passage, réduisant alors à néant les efforts et le travail de toute une vie, ainsi que l'œuvre de la création. Oui, le soleil s'obscurcit, la lune ne brille plus, les étoiles se mettent à tomber du ciel quand de vieilles gens meurent seuls, ou dans les vies malmenées de ceux qui nous entourent parce qu'ils sont en pleine dépression et qu'ils attendent sans attendre que quelque chose de neuf surgisse pour leur rendre goût à la vie. Oui, frères et sœurs, le soleil s'obscurcit, la lune ne brille plus, les étoiles se mettent à tomber du ciel quand l'être aimé, un conjoint, un frère, une sœur, un parent, un ami, fuit, disparaît, se retrouve paralysé ou emporté par la maladie ou par un autre amour, quand l'un est pris et l'autre blessé. C'est alors que le chrétien, l'homme, affronte seul, même entouré d'amis, sa propre apocalypse intérieure. C'est la fin de tout. La fin d'une vie terrestre, la fin d'un monde, la fin de mon monde qui d'un seul coup s'est rétréci comme peau de chagrin. La vie a alors tout sens. L'amour qui ne lui donnait jusqu'à présent n'est plus, ou plus possible de la même manière, et il n'y a ainsi plus rien à attendre de bon de la vie, ni de Dieu. Bref, frères et sœurs, vous l'aurez compris, nos apocalypses d'ici-bas
ne sont que mauvaises nouvelles à vue humaine. Il y a là abomination et désolation de la condition humaine. Aucun horizon apparemment, à tout cela, aucune manifestation de la bonté salvatrice d'un Dieu amoureux de l'homme. Dans un contexte d'anéantissement absolu, face au déchaînement de haine et de violence qui l'entourait, ne voyant plus la lumière du soleil et de la lune, la jeune Il-Sung écrivait dans un temps de concentration « Soyons bien convaincus que le moindre atome de haine que nous ajoutons à ce monde nous le rend plus inhospitalier qu'il ne l'est déjà. » Serait-ce à dire qu'il n'y a plus rien à attendre de ce monde qui passe d'ici à la venue du Fils de l'homme? Ne devons-nous pas nous laisser instruire par les jeunes pousses du figuier à l'approche de l'été? En effet, si l'évangile d'aujourd'hui est vraiment une bonne nouvelle, autrement, il ne l'est pas. Alors, l'Apocalypse qui décrit est forcément aussi une bonne nouvelle et ne peut ressembler en tout point aux apocalypses grandes ou petites que nous connaissons en ce monde de détresse. Oui, frères et sœurs, la véritable apocalypse, elle, est bonne nouvelle, car elle nous révèle qu'au grand jour du salut, les astres de la création nouvelle s'allumeront, les forêts reverdiront au moment où le soleil de Dieu se lèvera à l'est de l'Éden éternel. Le Christ paraîtra dans sa gloire et recevra à sa table ses amis. Mais quand, me direz-vous, quand? Certes, nul ne sait le jour ni l'heure. Mais le Christ nous le dit pourtant d'une autre manière. Chaque fois que nous aidons nos frères et sœurs en humanité à affronter leur apocalypse d'aujourd'hui, le Christ est à notre porte et se fait proche de nous. Quand tout vacille ou s'écroule dans leur vie et qu'il faut déblayer et décombre à main nue pour que la vie renaisse en eux et autour d'eux, le Christ est tout proche à notre porte. Chaque fois que nous nous tenons en éveil, prêts à incarner ce mouvement infiniment évangélique et salutaire, ce mouvement de la main qui se glisse sous la tête de mon frère et de ma sœur qui tombe, afin qu'il ou elle soit relevé de son malheur, le Christ est tout proche à notre porte. Et à l'inverse, si c'est moi qui suis dans la détresse, j'attends de mes frères et sœurs d'incarner déjà cette venue du Christ, sachant que, comme toute incarnation qui se respecte, quand elle est du Christ, elle sera toujours rencontre et échange de deux vulnérabilités qui se soutiendront l'une l'autre pour la vie meilleure. C'est alors qu'à tout être humain qui nourrit fiévreusement en son cœur la conviction de cette vie meilleure possible, de cette espérance pour tout homme en détresse ou pour lui-même, le Christ, vainqueur de la mort, murmure par nos gestes et notre bouche ces paroles qui ne passeront pas. Si tu ne peux plus aimer, alors désire aimer. Et si tu ne désires pas aimer, alors désirer aimer. Et si ce n'est toujours pas possible, jette-toi de tout ton long aux pieds de celui qui désire. Désire et désire encore et toujours relever le pauvre homme que tu es, afin qu'il te revête lui-même de la robe blanche des élus de son cœur. Car, frères et sœurs, c'est seulement ainsi que, blessés de la vie ou sauvés des eaux, nous purifions nos vies ici-bas, à travers chaque épreuve traversée, main dans la main, les uns avec les autres. C'est seulement ainsi que nous pourrons voir venir ensemble le jour d'un monde nouveau où tous les arbres reverdissent
à commencer par les jeunes pousses du figuier. C'est seulement ainsi que dans cette vallée de larmes, nous rejoignons dès à présent, dès maintenant, l'immense cortège de ces gens de l'Apocalypse qui, ayant lavé leur robe dans le sang de l'agneau, chantent déjà la gloire divine et brillent comme des étoiles dans le firmament, à la suite du Fils de l'homme revenu d'entre les morts, premier né d'un monde nouveau où l'on ne meurt plus, et où surtout il fait bon espérer les plus beaux fruits de vie éternelle pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Thank you.
Et effectum beati, et
Pascal mysteri, ut deficatur omnes ut, ad angloriam vocare, quod nunc genus electum regale sacerdoti, cet sancta et acquisitionis populus dicere. Et tuas annuntiamentus ubique virtutes, qui nos detenebis, ad tuum admirabilum evocasti. Et videm cum angelis et arcangelis, cum toni dominatio, omnia celestis exercitus, in punto fietu retamus, sine fecens. Ob facit eiliam commemoratio,
Thank you.
Pour miséricordie et tu es adieu, ta peccato si vous s'interdit, et à omnipotent perturbatione secum, expectantes veillata suprem, et adventum salvatoris nostri Jesu Christi.
Amen.